Oui, Laetitia, donc ils promettent 750 emplois, c'est même pas trop ce que c'est. Des emplois indirects, on ne sait pas non plus. Tu Socialement, sais quoi? Tu sais ça quoi? représente quoi socialement? Tu sais quoi? Ils disent qu'il y a des emplois. Parce que quand tu dis il y a des emplois, tout le monde est là. Oh, il y a des emplois. Mais bon, faut être clair. Il n'y a rien dans la loi française qui les oblige à les donner à des Guyanais ces emplois. D'accord? Et en plus de ça, ils ne voient pas tous les autres emplois qu'ils vont détruire. Aujourd'hui, à Saint-Laurent, il y a des gens qui travaillent dans le tourisme. Il y a des gens qui travaillent dans la biodiversité, dans l'agroforesterie. On les connaît, ces gens-là. C'est eux qui sont contre le projet Montagne d'Or, qui sont dans hors de question. C'est des chefs d'entreprise, c'est des associations. Alors, ils voient des emplois, mais ils ont les yeux comme ça sur ce qui existe déjà. Et pour l'université, alors, parce qu'ils vont faire une université des mines, alors comment, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui est prévu que C'est ça, là-dessus? c'est ça. Non, mais c'est vrai, ils veulent ça. Ils veulent que nous, on paye la formation de leurs salariés. D'accord. Ah bah bravo. Hein? Non, regarde, ça suffit, ça suffit. D'accord.